imaginer, créer, développer, souffrir un peu, s'amuser beaucoup, c'est cela Act in Space, ce hackathon organisé par le CNES, l'ESA et les ABIC Sud-France. Un concours où les candidats doivent imaginer, à partir de technologies spatiales, les produits et les services qui amélioreront notre quotidien de terrien. Act in Space a été imaginé et lancé par le CNES, qui en est toujours l'autorité de conception, et l'organisateur en France, où 11 villes ont participé lors de la dernière édition. Alors, l'ESA a garanti l'extension en Europe et a délégué à l'ESABIC Sud-France les aspects opérationnels. Ils ont géré les relations avec les 13 villes hors de France qui ont participé à cette deuxième édition. Les candidats, tous d'horizons très différents, ont 24 heures et pas une minute de plus pour monter une équipe, construire leur projet et préparer un pitch. Place ensuite à la présentation devant un jury de professionnels. Au-delà des prix mis en jeu, l'objectif d'Act in Space, c'est développer l'esprit d'entreprendre et faire que ces idées, souvent lumineuses, se transforment en start-up et en emploi. My biggest expectation is that a lot of ideas will make application to the ESA Business Incubation Centers or other incubation centers. My expectation and the expectation of my colleagues is really that we later have companies which we can count and that there's a product really in the market which will be sold to customers. We also hope that we can pursue this project further and continue to work with ESA Business Incubation Center and to invest our idea and to really make this happen. Durant les 24 heures du hackathon, les candidats peuvent se faire aider dans chaque ville par des coachs en développement d'entreprise, mais aussi par des experts du domaine spatial. Un support organisé par le CNES et renforcé par Airbus Defence and Space et l'ESA. Ces experts sont disponibles sur place, par téléphone ou par internet, à l'image d'Arnaud, plutôt enthousiasmé par les idées des candidats. Avec cette jeunesse là qui vient du 2.0, cette génération Y, qui a une vitesse avec énormément d'audace, et finalement le mix des deux, entre cette mouvance plus l'expertise et la canalisation des experts qui viennent du spatial, on peut faire des choses très très bonnes. Si ça avait été que moi, j'aurais vraiment participé comme candidat, parce que les défis sont géniaux, il y a des super prix derrière. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, de par mon passé et mon expérience, j'ai plus de valeur ajoutée à mener en tant que coach ou expert du spatial. Il est vraiment important qu'il y ait, que les industriels s'impliquent auprès des jeunes, surtout dans une période où il y a une certaine désaffection des jeunes vers les disciplines scientifiques et techniques. Donc ce concours et cette implication est une bonne opportunité de rapprocher les jeunes des industriels. Après une première édition française, le hackathon est donc devenu européen et même mondial, avec la participation du Maroc, de la Turquie et du Brésil, et ça n'est pas fini. This year I'm hoping to learn how the program works and see if we can implement something similar in the States or even join here with the CNES version. Pour cette édition-là, nous avons fait un bond en avant important, 5 fois plus de villes, 12 fois plus de pays. Nous espérons pour la prochaine édition progresser encore et atteindre 30-40 villes, peut-être augmenter encore au niveau de notre extension, peut-être à 3, 4, 5 continents et donc pouvoir effectivement atteindre notre objectif d'un événement worldwide qui permettrait de donner au spatial toutes ces dimensions.